Le rapport du comité sénatorial sur les langues officielles est un rapport qui donne une voix aux parents francophones ou aussi aux parents anglophones qui souhaitent envoyer leurs enfants à une école française ou d'immersion. C'est un rapport, finalement, qui met en évidence les défis du système scolaire. Ça met en évidence le manque de place dans les écoles françaises. Ça met en évidence le défi pour les parents anglophones d'obtenir une place pour leur enfant dans une école d'immersion. Ça met en évidence l'état, le pauvre état des infrastructures et ça met aussi en évidence l'inaction du gouvernement provincial dans ce domaine. Ça met aussi en évidence l'importance pour le gouvernement fédéral d'investir dans les communautés francophones, puisqu'ils ont une responsabilité d'appuyer leur éducation en langue française. Ça met aussi en évidence l'importance de pouvoir augmenter le taux de bilinguisme chez nos jeunes. Le français et l'anglais sont nos langues officielles et il faut investir. Il faut investir partout au Canada, il faut investir en Colombie-Britannique.